Bonjour tout le monde, je suis là aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série des vidéos qui a commencé la semaine dernière. J'ai toujours mon café et aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet tout aussi important que l'alimentation et non seulement dans l'amaigrissement mais dans n'importe quel domaine de nos vies. Et c'est la motivation et l'état d'esprit bien sûr. La science aujourd'hui elle prouve que 90% de nos pensées dans nos têtes aujourd'hui se représentent demain dans nos têtes et que nous pouvons devenir ce que nous pensons. Docteur Hélène Angère mène depuis 40 ans des études pour prouver la liaison entre la tête et le cœur à l'université d'Harvard aux États-Unis. Il y a une étude que je trouve complètement fascinante, c'est quand elle a rencontré 84 femmes de chambre, elle leur a divisé en deux groupes, groupe A et groupe B, et elle a posé au groupe A la question suivante. Faites-vous une activité physique ? Ces dames-là, elles ont dit que non, après une journée de travail, elles n'avaient ni l'envie et ni l'énergie de faire une activité physique. Le docteur leur a dit que d'un point de vue médical, elles faisaient déjà assez d'exercices et que cela était complètement suffisant pour avoir une vie saine et active. 3 mois après de cela, le docteur est allé le voir et surprise, toutes les femmes du groupe A ont perdu du poids, elles ont baissé leur IMC et la tension artérielle. Tout cela parce qu'elles croyaient avoir une vie saine et active. Vous voyez, c'est incroyable le pouvoir de nos têtes. Aussi le pouvoir de changement que cela peut avoir dans nos vies. Là, je voudrais vous poser une question. Que faites-vous aujourd'hui concrètement pour devenir la personne qui vous voulez être? La personne qui vous méritez d'être? Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu. Peut-être pour voir à quel point nous avons le pouvoir d'échanger avec seulement notre tête. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis aussi de vous abonner à ma chaîne car maintenant, toutes les semaines, il y aura une vidéo nouvelle pour vous. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un mail, je serai ravie de vous répondre. Bonne journée, au revoir. Et vous pensez que c'était fini? Et non, c'était pas fini. Enfin, je viens rapidement juste pour vous dire que je suis vraiment passionnée du développement personnel. Je crois que tout à chaque personne est en train d'évoluer à chaque instant. Et que nous sommes en vie pour être heureux. Et qu'il faut qu'on se donne les moyens de devenir, d'être heureux, de construire ce bonheur tous les jours. Là, je vous promets, c'est fini. Bon, bah, bonne journée à vous et à la semaine prochaine.